Alors moi je suis parti assez tôt parce que déjà j'ai commencé à faire quelques petits stages donc dans l'agricole. J'avais 14 ans et au bout de quelques années, 15-16 ans, j'ai eu mon petit studio donc au niveau du village d'enfants pour m'apprendre à être encore plus autonome. J'ai été placée à partir de l'âge de 3 ans, il me semble. 3 ans et demi, même. 3 ans et demi jusqu'à ma majorité, où j'ai fait un contrat jeune majeur jusqu'à l'âge de 19 ans. Et puis, le directeur et mon éducateur référent ont pris la décision de me laisser mon indépendance parce que j'étais devenue complètement autonome, donc à l'âge de 19 ans. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis partie du village d'enfants. Moi, je voulais être à la base directrice de pouponnière. Voilà. Bon, du coup, je suis infirmière, mais c'était parce que justement, à la maison de l'enfance, il y avait une pouponnière et j'ai toujours cette image en fait des petits berceaux. Voilà, donc. Je suis rentrée en apprentissage cuisine. Donc j'ai été en CAP, j'ai fait 2 ans. J'ai eu mon diplôme. Juste derrière, j'ai été sélectionné pour faire les MAF, donc meilleur apprenti de France en cuisine. J'ai fini 3e sur 12. Juste derrière, j'ai fait un CAP de pâtisserie, vu que j'étais plus sur la pâtisserie pendant mon apprentissage. Je m'en suis sorti avec une bonne moyenne aussi, donc j'ai été aussi sélectionné pour les MAF en pâtisserie. Et là, j'ai fini 4e sur 15, et ils ne prenaient que les deux premiers. Donc du coup, ça a quand même été une expérience de plus pour mes projets professionnels. Les jeunes, enfin, pour leur avenir, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide pour pouvoir les aider dans les démarches à faire, surtout s'ils veulent poursuivre leurs études. Qu'ils continuent à croire dans l'avenir qu'ils veulent, dans le métier qu'ils veulent faire, et si vraiment ils le veulent, qu'il faut vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils continuent à avancer dans leur objectif et ne pas changer de chemin en cours de route.